Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Nous vous accueillons sur la chaîne YouTube de iPhone.fr pour le déballage d'un tout nouvel iPhone, le plus grand de la série. C'est l'iPhone XS Max, la version 256 Go. Alors, elle n'est pas ouverte, on va le découvrir ensemble. On tire ici et ça s'ouvre. Merci Apple d'avoir toujours bien pensé les emballages. On va retourner avec précaution. Et voici l'ouverture. Donc on retrouve la photo qui avait fuité avec une découpe qui n'est pas visible. C'est à noter, l'an dernier la découpe c'était unique. Donc iPhone la mettait en avant, désormais beaucoup d'autres smartphones ont repris cette manière de présenter leur capteur. Donc du coup Apple a décidé de ne plus le montrer comme auparavant. C'est un choix. Alors, les classiques documentation, bonjour iPhone XS, bonjour l'autocollant, mais surtout bonjour le plus important, à savoir le grand iPhone. Le voici, donc c'est une version argent, donc argent et blanc, il est assez magnifique, tout comme l'était l'iPhone X, hein, on est sûr. Ici, exactement la même machine, elle a juste été boostée en termes de taille pour atteindre la taille d'un iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus, iPhone 6 Plus, iPhone 6S Plus. Donc voilà, les contours brillants en acier, ça sera la grosse différence par rapport à l'iPhone XR qui va arriver le mois prochain. On n'est pas sur de l'alu, mais c'est de l'acier brillant. Du plus bel effet. Alors on a également du brillant ici, voilà la pomme, et ça mérite qu'on l'ouvre. Les petites bandes pour les antennes qu'on doit retrouver également en bas. Sinon au niveau, donc pas de retour de la prise jack 3,5 mini jack 3,5 mm, on est habitué. On a la prise lightning, une dissymétrie au niveau des découpes ou des trous pour les haut-parleurs et autres micros, c'est nouveau. L'an dernier sur l'iPhone X c'était symétrique. Un profil tout à fait arrondi sous tous les angles. Voilà. Et un double capteur avec micro. Au niveau des boutons, le volume et le réglage du mute. Et bien entendu, c'est important, la fameuse découpe en haut qui a tant fait couler d'encre, qui est reproduite sur la génération 2018 des iPhone X. Alors, on peut s'y habituer ou pas. Personnellement, sur un iPhone X, je n'ai jamais eu la moindre gêne avec. Elle est là, on vit avec, et de toute manière, c'est de l'écran en plus, puisque on peut le voir, on a un écran absolument immense. On poursuit la vidéo cette fois-ci avec le contenu de ce qui est livré avec l'iPhone. Alors on a la prise qui est toujours une petite prise 5 watts, ridicule par rapport aux besoins d'une telle batterie. Des écouteurs filaires, ils ressemblent aux AirPods, mais ne vous méprenez pas. Il y a du fil, c'est du classique, c'est une prise Lightning pour les brancher, et le petit bouton qui a tant de fonctions et qu'on a décrit dans de nombreux articles. Je vous invite à les découvrir parce qu'il recèle de vrais petits trésors. On poursuit la découverte au niveau de la boîte et on a le câble de liaison USB-A classique avec la prise Lightning de l'autre côté. Pas de changement, on n'a pas d'USB-C cette année. Et mais il nous manque quelque chose. Où est l'adaptateur jack 3,5 mm
mini jack pour brancher un casque classique, eh bien il n'y est plus cette année. C'est un choix qu'a fait Apple, ce n'est plus fourni 2 ans après la disparition de cette prise casque, passée par pertes et profits pour la finesse a priori. Eh bien, il n'y a plus d'adaptateur, il faudra l'acheter chez Apple, c'est moins de 10 euros de mémoire. Alors, voilà, on refait un petit tour, et puis on pourra le voir après à côté d'autres machines, peut-être vous voulez le voir à côté d'un iPhone 6. Bon, c'est le même qu'un 7 ou qu'un 8, hein, mais globalement, voilà ce que ça donne au niveau. Oh, on va faire la... Voilà, donc si on veut le voir à côté d'un iPhone de taille iPhone 7, iPhone 6, 6S, ou à côté d'un iPhone plus petit type iPhone SE par exemple. Donc là on a une belle différence de taille quand même, hein, parce que là, si on le pose, voilà, on va voir qu'il y a quand même du chemin de fait au niveau technologie et au niveau taille des machines. Ensuite, on peut les mettre à côté. Voilà. On a quoi d'autre? On peut se rappeler ce qu'était la taille d'un premier iPhone. Voilà, c'était ça, tout simplement. Ou encore se rappeler ce qu'était l'iPhone 3G, à peu près similaire. Voilà. Donc, on a quelques générations d'iPhone là, qui se sont succédées, qui montrent là, le changement de design qu'a opéré Apple depuis ces quelques années. Si on les voit sur l'arrière. Donc, l'alu. Là, on a du vert pour la recharge sans fil. Là, on avait de l'alu. Là, on avait de l'alu, l'iPhone original. Là, on a eu du plastique, une année, comme un peu l'iPhone 5C, similaire à... Oui, peut-être la prise en main. Donc, la prise en main, ben voilà. Est-ce que c'est gros? Est-ce que c'est petit? Je vous montrerai des photos à la fin de la vidéo où on le voit, ou alors sur une autre vidéo où on le voit à côté d'un iPhone 10, mais pas, là, il est utilisé pour filmer, donc globalement, on peut pas le voir. Mais voilà la prise en main, c'est des mains normales d'homme robuste, non pas si robuste que ça, donc des mains normales, voilà, côté d'un iPhone 6, voilà, on est comme ça, c'est grand, il n'y a aucun doute, c'est très grand, mais c'est aussi un beau confort d'écran qu'on va voir à l'usage. On avait promis dans la vidéo, dans le début de la vidéo, de vous montrer la différence de taille entre un iPhone 10 et 10S Max, donc en l'occurrence, ou 10S et 10S Max, puisque de toute façon ce sont les mêmes tailles, donc là voilà. Donc. Alors, en main, ça donne ça, et en poche, ben, ça doit faire une belle différence quand même, même si c'est vrai que c'est quelques centimètres à chaque fois, mais ça se rajoute. Donc, si on veut les voir côte à côte, les voici. Et de dos. Voilà. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce déballage. On essaye de mettre des photos, etc., de poursuivre le test sur iPhone.fr et sur la chaîne YouTube. A très bientôt, et si ça vous a plu, n'oubliez pas les petits pouces bleus, on apprécie toujours, ou surtout de vous abonner à la chaîne, parce que comme ça, vous ne nous ferez pas les nouvelles vidéos, les déballages, les tests d'accessoires, etc., etc., et les tutos iOS 12, bien entendu. Il y en a déjà plein sur la chaîne, il y en aura d'autres d'ajouter au fur et à mesure. À très bientôt, merci beaucoup de votre confiance.